Torment. Alors, l'affiche du film Torment, c'est un petit peu comme si on voyait les oreilles de Mickey avec une cagoule dessus. Torment, bon, c'est un film d'horreur. Le pitch était assez classique, somme toute. Ça ressemble au film d'horreur classique, l'histoire d'un jeune couple qui part dans leur maison de campagne avec un petit enfant. À la différence que c'est une famille recomposée et le petit enfant n'aime pas sa nouvelle belle-mère. Pourquoi il ne l'aime pas? Bah, c'est normal. C'est pas sa mère. Alors, c'est un très bon film d'horreur ultra classique, mais je tire quand même chapeau au réalisateur parce que c'est, j'aimerais bien faire une première réalisation comme celle-ci. Il y a deux, trois petites idées assez originales, le reste est somme toute assez classique. Il y a des inspirations qui viennent de Massacre à la tronçonneuse, d'autres qui viennent plutôt de films un peu à la Scream. On peut dire que c'est un film d'horreur assez classique, quelques petites blagues. C'est un film de minuit et demi, sans prétention, et à ce moment-là, le cerveau est complètement déconnecté. Donc, je vous conseille quand même, si vous voulez faire une soirée DVD popcorn, film d'horreur classique, voilà, Torment, si vous le trouvez, regardez-le. N'y attendez pas, évidemment, la révolution du 7e art, mais allez le voir quand même, ça peut être intéressant. Et Torment, pour tous les goûts, pour tous les styles, pour tous les genres, allez le voir.